La salle du conseil municipal de Pau comme symbole. Au lendemain de sa nomination comme haut commissaire au plan, François Bayrou nous a accordé un entretien pour expliquer ses intentions. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous accorder cet entretien. Vous venez d'être nommé haut commissaire au plan. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est cette mission ? Ma mission, c'est faire revenir la réflexion sur le long terme dans les décisions de gouvernement et dans le débat public des citoyens. Pour moi, c'est une mission absolument cruciale pour que notre démocratie soit un peu moins sans dessus-dessous qu'elle l'est. Alors cette nomination, elle a fait un peu grincer des dents, notamment ici à Pau, dans l'opposition, où on parle de votre mise en examen, où on parle du fait que vous ne seriez plus maire de Pau. Il y a toujours des jalousies, et puis il y a toujours des gens qui, parce qu'ils sont médiocres eux-mêmes, voudraient que tout le monde soit médiocre. Or, médiocre dans une ville de taille moyenne, pas très grande, ça veut dire que la ville s'enfonce. Et au contraire, une ville comme la nôtre a besoin de porte-drapeaux, a besoin que partout en France, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, on identifie la ville. Ça veut dire que cette nomination va encore plus faire rejaillir sur la ville ? Oui, j'espère, je crois. Qu'on en soit à penser que, parce qu'on est investi d'une mission comme celle-là, on devrait quitter sa ville, mais vous dites, vous êtes dingue. Parce qu'on peut réfléchir à l'avenir de la France depuis Marseille, depuis Poitiers, depuis Pau, depuis Amiens. On est la France. La France, ce n'est pas Paris et le reste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des Parisiens, des hauts fonctionnaires parisiens devront venir ici ou... Eh bien, je vais essayer ça. Je vais essayer qu'on propose aux fonctionnaires qui participent à cette réflexion de venir s'installer chez nous. Il faut que tout le monde se rende compte que la province peut participer au plus haut degré à la réflexion du pays. Ça vous permettrait de ne pas forcément être partagé entre Pau et Paris ou... J'ai toujours été partagé. J'ai toujours fait 2 jours à Paris, 5 jours à Pau et je continuerai comme ça parce que je trouve que c'est un bon équilibre et que ça permet d'avoir de l'influence au moment où les décisions se prennent et dans une ville comme la nôtre, on en a besoin. Merci François Bayrou. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.